Bon, il a fait un coloscopie. Un petit toucher de la prostate. Pauvre bête. Non, non, à son âge, c'est un cuit, on connaît. Eric! Oui, là, quand je pleure comme ça, faut le mettre dans cet état-là. Mais ce n'est pas malade vraiment, parce que là, t'as avec son gal tabri, là. Ah oui, Eric, si mon frère est malade vraiment, mais tu es le moment. Trop tard. On arrive à où, oui? Non, question santé, tout va bien. D'ailleurs, mon prostate passe au son bonjour, mon frère. Non, encore bonne gueule, encore rien. Oui, mais cause, quoi, l'arrivée à haut pour être dans cet état-là? T'as vu, on y va pas, t'es tout le monde, tu connais pas les roulants, ok? Eric! Comment il faut expliquer à où? Ok, il est bon, ok, m'a compris, il est bon, hein. Moi, il veut rendre service, mais a priori, mais il n'est pas le bienvenu de la cellule psychologique de la famille parfaite, hein. Il laisse place au professionnel, hein. Oui, mais t'as mon zéa. Mais t'as mon zéa. Et ma foutre, fais dans le lait, t'as marre, Stouni. Chiant, hein. Allez, c'était toute mon vie suspendue là-dedans. T'es tout dit, les suspendus là-dedans, t'es soutenu par un petit bois golet. Comment on y arriver, donc, oui. Mais de toute façon, inquiète pas, où. Si par exemple il abîme le linge, là on va mettre la sienne, mais bon. Mais il ne veut pas mettre des autres ménages, moi. Hein? Mais comme mon cœur pas me péter, et que m'y connaît, que j'ai dit, Eric Zonnet, l'effet défibrillateur, ben man, il ouais, mais on connaît, des fois Eric, c'est pas trop un effet défibrillateur, hein? C'est plus un accélérateur de crise cardiaque. Hein? Donc vaut mieux les partir.